Cheers. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne, c'est Super NES. Première vidéo de l'année 2024. Vous avez eu bien sûr le vlog du Japon, mais là c'est la première vidéo qu'on tourne en 2024 et je suis accompagné, comme d'habitude, du Rec, du Tarek. Alors, aujourd'hui, petit unboxing d'une nouvelle statue qui est arrivée pendant que j'étais au Japon. Mm-hmm. Il s'agit d'une statue du studio Fairy Studio et dedans, il s'agit de la licence Pokémon, exact. Pokémon. Les Pokémon. C'est ma première statue. C'est pas censé normalement être ma première statue Pokémon. J'en ai commandé une avant, mais elle est toujours pas envoyée. Je crois que le studio il est super en retard et tout. Mm-hmm. Donc c'était une autre qui devait arriver. Mais au final, c'est celle-ci qui est là. Et tant mieux parce que c'est vraiment une que je trouve super belle. Du Pokémon pour moi qui est le meilleur Pokémon, malgré que j'en aime beaucoup d'autres, j'ai mes préférés et tout. Mais c'est celui qui a marqué notre vie. Et qui a le premier qui nous a marqué. Donc voilà. Heureusement qu'il arrive en premier quelque voilà, part. Voilà, exactement. Donc on vous montre ça tout de suite. La boîte est petite, je m'attendais à une boîte un peu plus grosse. D'ailleurs, quand je t'ai envoyé pour la chercher, c'est ce que je pensais. Bah, j'étais très content. Mais on sort ça en toute délicatesse. Voici la boîte. Oh ! Mais c'est pas n'importe quel Mewtwo. Ah, tu l'avais pas vu, toi ? Non. Ah bah voilà, je suis content de cette réaction-là. Il me fallait un Mewtwo. Je ne voulais pas un Mewtwo banal. Et je pense que quand celle-ci est arrivée, je me suis dit, c'est celle-là. This is the one. C'était à quel moment qu'il avait encore cette tenue? C'est quand Giovanni, donc le chef de la Team Rocket, le père de Régis, essayait de le contrôler en fait. Quand Mewtwo avait détruit le labo dans lequel il avait grandi, qui est le truc que vous voyez là, dans quoi il est, ça vient plutôt du labo dans lequel il était, dans une espèce d'eau là, etc. Et puis Giovanni venait le chercher en lui disant qu'il allait l'aider à contrôler ses pouvoirs, alors qu'il venait pour le contrôler. Et puis il lui mettait cette armure justement pour le contrôler, jusqu'à ce que Mewtwo pète un câble. Il faut savoir que Pokémon le film, donc le premier, le tout premier film, dans la version en français, nous, il y a toute la première partie qui est censurée, qu'on n'a pas dans le film. Mm-hmm. Vous pouvez la trouver sur Internet après, qui est une version en japonais sur titre français, où il y a l'enfance de Mewtwo avec la petite fille du scientifique qui a cloné Mew pour faire Mewtwo, puisqu'il avait cloné également sa fille. Et il y a toute une partie où ils se rencontrent dans un inconscient chacun. Et puis ensuite, on a le Mewtwo qu'on connaît et puis le pétage de câble, etc. Mais à la fin du film, quand il se passe tout le bordel avec Sacha, Mewtwo part avec les Pokémon clonés et il enlève de la mémoire de Sacha tout ce qui s'est passé. Donc c'est ça qui s'est passé. Ça s'est passé dans le premier film aussi. Ça, oui, tout ça c'est dans le premier film. Parce que moi, j'avais mais on l'avait également dans les épisodes. Ouais, ouais, ça, on l'avait également dans les épisodes, mais en rapide, vite fait. On avait juste Mewtwo qui partait du labo, si je me rappelle bien. Mais voilà. Je crois que c'est à cause de ça que j'ai eu un bug dans ma tête. Ouais. C'est ce Mewtwo-là et on va voir ce que ça donne. Hein. À quel point il est beau gosse, à quel point il est bien fait. On va voir ça tout de suite. Ah, là, c'est une autre plage. Je te regarde plus là tout à l'heure, simplement je vais l'aider. C'est vraiment un connard, c'est vrai. Non, mais c'est parce que t'es, ouais, les objets sont assez fragiles. T'as toujours peur de toucher avec Michel, donc. Ça, c'est du scratch, mon pote. Ça, c'est du chips. Des collines de Colombie. Now that's fresh mountain grown coffee from the hills of Colombia. On est en train de déceler Mewtwo. Voilà. Ah, mais il est pas là. Tout doucement. En premier lieu, qu'est-ce qu'on a? Le socle. Le socle, on va le sortir en premier. Voilà. Stylé, socle. Très beau socle. On dirait une mine. C'est vrai. Voilà, comme ça, vous voyez ce que ça donne. De toute façon, comme d'hab, à la fin, vous aurez des magnifiques plans de la statue. Ah, il y a la plaque, donc Mewtwo. J'ai le 170. Ça, c'est sympa à savoir aussi. Je le mets sur le côté. Ensuite, on a un petit truc ici. C'est de la pâte à fixe ou bien c'est un truc... Non, c'est un bail. Donc, je ne sais pas ce que c'est exactement. On va voir ça tout à l'heure. On dirait peut-être son plastron, donc l'avant de son armure. Trop petit, non? Je sais pas, c'est pour ça que je regarde. Possible. Ici, on a une puce. Ah, ça je pense. Ouais, voilà. Donc ça, normalement, je crois qu'il y a une partie qui s'allume. Et donc, on devra le mettre dedans. Maintenant, quoi, je sais pas. Je crois que c'est son œil, hein, c'est peut-être son œil. Hein. Okay. On devra peut-être le mettre dans sa tête et ça va illuminer l'œil. Donc ici. Son yep. C'est sa main, ça. Je ne sais pas quand il faisait comme ça pour créer la tempête. Bon. Ici, l'autre main. Ici. On a le, entre guillemets, bocal. Voilà, ici, très très beau. C'est vraiment bien fait, je trouve. Pour un truc cassé, franchement, pas mal. Hein. Ouais, c'est vraiment sympa. Après, je peux te le faire avec un verre hein, ordinaire. Hein. Ouais. Parlez-moi un verre. Tout de suite. Et là, ici, du coup, Mewtwo. Enchanté. Enchanté. Hein, moi, je m'attendais... Ouais, moi aussi, je m'attendais un peu plus grand, mais ça passe bien quand même. Ouais, tu vois, ici, dans sa tête, je pense que là, c'est qu'on devra mettre le petit truc. Et en fait, je pense que les câbles vont allumer ça.
Ça, c'est peut-être pas la règle. Oh, c'est possible, ouais, en effet. Il a le plastron déjà. Ouais. Voilà, ça a été rapide, c'est bien, pas trop de pièces. Et il a les cuisses de Roberto Carlos. Du tout. En termes de couleur, je le voyais un peu plus mauve par contre. Ouais. Là, je trouve qu'il est un peu rosé. Je pense que c'est parce que. C'est avec la lumière. La lumière derrière, c'est très sombre. Mais voilà, pour moi, Mewtwo devrait être un peu plus mauve, mais je comprends. Après. Mais il faut dire que dans les jeux, je pense vers la. Après, il est pas mauve, il est beaucoup plus rosé. On met l'air facile, hein, ça pas en centrale. Mm-hmm. Alors, il est où le truc pour mettre le truc USB? Ok, il est ici. Le USB. Donc, ça veut dire que c'est comme ça. Voilà, j'espère que vous voyez bien ça. De toute façon, comme je vous ai dit tout à l'heure, on verra un peu mieux ça. Ensuite, on met d'abord le Mewtwo, tu penses, et ensuite le truc. Voilà. Est-ce que c'est comme ça ou bien comme ça? Ah non, parce que ouais, je pense que c'est comme ça. Non, ça rentre pas. Donc c'est bien. Ouais, comme ça. Voilà. Ok, ensuite, on lui met les mains. C'est peut-être l'autre qu'il faut mettre. On regarde, peut-être. Hein. Et ici. C'est aimanté aussi. Alors. En effet. On peut lui mettre ça dans le crâne. Mettons-lui ça dans le crâne, ouais. On allume d'abord pour. Le petit truc là. Et donc ça se met dedans. C'est chelou. Voilà. Ah ouais. Plus comme ça. On va le mettre dedans. Ouais, tu vois, ses yeux. Ah bah oui, ça les allume. Ah oui, ouais, d'accord, ça lui fait des yeux tout simplement. C'est ça. Maintenant, on voit, regarde. Ah, c'est stylé. C'est stylé, hein. Après, le truc va un jour lâcher, donc c'est chiant de devoir à chaque fois faire ça, mais bon. Ouais. Moi, il y a un truc que j'aimerais savoir. Ouais. Mais je pense pas que c'est le cas. Il s'enlève pas le truc de face. Non. Ça aurait été stylé que tu puisses choisir. Mais voilà, je l'ai pris vraiment pour ça. Donc c'est pour ça. Je pense même le socle est relié à ça. Ça, il faut qu'on enlève. Ah, il fallait mettre avant. On est good, comme tu dis. On est good. Voilà ce que ça donne. Franchement, ultra simple. Ultra simple. Pas trop de chichi, pas plutôt trop sympa. De pièces. Dommage petit. Ouais, j'aurais vraiment aimé qu'il soit plus grand. Ça aurait été beaucoup plus impressionnant à voir. Il est super beau. Ça veut dire que ce soit le socle, le truc, enfin, c'est vraiment beau. Mmh. Maintenant, on va essayer de voir avec ça ce que ça donne. Oh. Voilà ce que ça donne. C'est plutôt beau gosse, hein. Ouais, c'est vraiment stylé. Franchement, c'est beau. Parce que ça veut dire qu'ils ont mis des petites lumières ici dans les fentes pour que. Ça s'allume bien, etc. En plus, c'est bien accentué là où il y a les fissures. Ouais. C'est super stylé. Voilà. Du coup, voilà. C'est ce que donne la petite statuette Mewtwo. Donc, Mewtwo énervé qui pète un câble, qui va se barrer de la Team Rocket parce que Giovanni l'a arnaqué. On a la petite lumière qu'on met dans sa tête pour que ses yeux s'illuminent. Donc, on vous fera un petit zoom pour que vous voyez mieux ça. Et puis, on a la possibilité d'allumer également la statue. Ça fera une nouvelle statue qui peut s'allumer parmi les autres. Bientôt, je vais installer un système où elles peuvent toutes s'allumer. Donc, comme ça, elles peuvent être soit allumées en permanence, soit quand je choisis. Mais du coup, je suis quand même très satisfait de la petite statuette parce que c'est difficile d'avoir une Mewtwo que je trouve très stylée. Souvent, ils en font un Mew. C'est-à-dire, dans des poses, je trouve que c'est plus du Mew que du Mewtwo. Ici, je trouve que ça symbolisait toute l'histoire de Mewtwo en une petite statuette. Et j'en suis plutôt content. Il y a juste la taille. J'aurais aimé que ce soit plus grand. Je pensais que ça allait être plus grand, mais c'est pas grave. Mais ça reste un personnage qui a quand même des trucs. T'arrives jamais à être satisfait 100%, je trouve, parce que c'est comme quand tu joues au jeu Pokémon et tu vois que Mewtwo parle pas, ouais. Alors que dans les films il parlait. Ah, t'es un peu deg ouais, de voir faire. Chose. Alors voilà, c'est la statue Mewtwo. Là, j'ai enlevé le câblage de la lumière, etc. De toute façon, vous inquiétez pas, à la fin de la vidéo, vous aurez des plans parfaits de la statue, à quoi elle ressemble, etc. Donc restez, c'est toujours à ce moment-là que je mets le maximum de plans. Suivez-moi sur Insta aussi pour voir les photos. Souvent, je fais des magnifiques photos qui seront après dispo sur Insta, qui marchent super bien, donc n'hésitez pas à aller les voir. Mais surtout, il y a un objet que j'ai ramené du Japon qui est totalement en rapport avec lui et le film. Et en fait, je pense que c'est le moment de les mettre ensemble. Je ne vais pas le mettre dans la vidéo des objets du Japon, je vais la mettre dans cette vidéo aussi. C'est... J'ai trouvé la Mewtwo Ball, donc les Pokéballs qu'utilisait Mewtwo pour capturer les Pokémon et en faire des clones. Ouais, je l'ai trouvé dans une vitrine vraiment bien cachée, ça avait un certain prix, ça se voyait que c'était un truc assez rare pour eux et tout. Et donc, je trouve ça incroyable et je pense que maintenant, les deux vont très très bien ensemble. On a Mewtwo et la Mewtwo Ball. De Pokémon le film 1. Donc les deux, vous inquiétez pas, je vais faire des plans avec et tout. Comme il y a certaines statues qui nous donnent un petit objet à côté, là ici, c'est moi qui l'ai ramené du Japon pour compléter ça. Et donc voilà, Mewtwo plus la Mewtwo Ball. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était la petite touche de fin. Et puis on se voit très bientôt. Mais likez, commentez, partagez, abonnez-vous, faites des tas de trucs. Et les gens là qui m'envoient des messages pour me dire « Ah, ta vidéo, elle déchire » ou alors « Hey, dans la rue, ils me disent « Hey, j'ai vu ta vidéo, franchement sympa. » Mets-le en commentaire.
Pourquoi tu me le dis, tu m'envoies un message ou tu me parles à moi, me parle pas. Écris-le en commentaire. Allez, on se voit bientôt. Ch'touze.